Alors, on se retrouve dans ma cuisine. Il est 9h23 et je voulais vous dire qu'hier, je n'ai pas vlogué. Vous l'aurez remarqué de toute façon. En fait, j'ai vlogué, mais juste le soir, là, quand on a fait l'activité de la boîte magique qui était le bain illuminé et tout. Le bain. Maman, regarde! Oui, c'est pas grave. Papa, il a fait ça! Ouais. C'est pas papa. Oui, non, c'est juste que la punaise a détaché. J'ai une de mes amies qui donnait un cadre, tu sais, pour faire des projets, pour accrocher des choses dedans pis tout. Puis là, Florence, elle a commencé à mettre ses affaires de patinage artistique. Florence, elle avait fait du patin à 3 ans, je crois. En tout cas, on l'a inscrit 2 années de suite. Peut-être 4 ans et 5 ans. Puis finalement, elle aimait vraiment pas ça, fait que on avait comme annulé. Fait qu'on était bien déçus parce que elle était bonne. Tu sais, à 2 ans, on l'a mis sa patinoire, puis pour vrai, elle patinait comme à marcher, si on veut, là, tu sais, elle patinait pas wouhou, mais quand même, genre en marchant super bien comme si de rien n'était. Fait qu'on était comme, ah, tu sais, elle va être bonne comme Annabelle, puis tout ça, puis tu sais, c'est un beau sport quand même. Fait que c'est ça, elle avait pas voulu. Fait que je l'avais pas réinscrit les années suivantes. Mais là, un peu avant la COVID, elle voulait que je la réinscrive. Puis là, est arrivée la COVID. Fait qu'évidemment, ben, on l'avait pas inscrit. Mais là, cette année, on l'a inscrite. Et on a renouvelé aussi pour l'hiver, là. Pour Charlotte et elle. Je sais juste pas comment ça va aller. Comme le spectacle de patinage qui était prévu, la revue sur glace qu'ils l'appellent, je sais pas si ça va avoir lieu ou pas. Mais c'est un peu plate. Aussi, les garçons, tu sais, on était comme au moment où il faut les inscrire à des tournois puis tout ça. C'est pour ça que la fin de semaine dernière, on avait rencontré toute la gang de parents puis au restaurant pour justement discuter de à quel endroit on voulait aller et tout. Mais là, pour l'instant, je suis comme pas sûre que ça va avoir lieu. Sinon, ben, c'est vraiment dommage pour Noël, honnêtement, je suis un petit peu découragée de tout ça, mais bon, c'est encore une fois un coup à donner, puis it is what it is, comme on dit. Là, tantôt, justement, Florence puis Olivier se faisaient vacciner aujourd'hui à l'école, puis tantôt, je m'en vais chercher Florence parce qu'elle a un rendez-vous pour voir qu'est-ce qui... C'est quoi les qu'on peut envisager pour ses dents? Ça, je vous en ai pas reparlé, je pense, là. Mais je vous en avais parlé sur Instagram que Florence a eu un kyste. Elle s'est fait enlever au mois de juin. Puis, dernièrement, on avait eu un rendez-vous avec sa chirurgienne, fait que post-op, genre 5-6 mois après, pour vérifier si sa canine, finalement, a descendu ou pas. Elle a commencé à descendre, c'est juste que ses autres dents d'adulte sont comme plus proches de sortir que la canine, ce qui fait en sorte que peut-être ça laissera pas beaucoup de place ou pas de place du tout. Mais toutes ces dents de bébé, molaires et canines, sont encore là. Fait que tu sais, je me dis, t'as encore le temps de descendre. C'est juste que ça m'inquiète parce que si on s'en va pour un posting de 3 ans comme supposé, ben je sais comme pas... Qu'est-ce qui est possible de rattraper après ou quoi que ce soit? Parce que dans le fond, là, la chirurgienne en parlait de peut-être juste mettre un stopper. Un peu comme qu'est-ce qu'Annabelle, elle avait eu. Elle a eu des broches pendant genre 1 an, peut-être. Et peut-être moins. Puis, c'est ça. On se demandait comme qu'est-ce qui était possible de faire ou quoi que ce soit. Parce que dans le fond, faut qu'on ait rien de temporaire dans notre bouche pour pouvoir avoir le posting. Fait que. C'est juste ça, je veux juste être sûre que, tu sais, même si on laisse comme la nature aller, après on va être capable d'aller rechercher la canine au pire. Parce que de toute façon, probablement qu'elle va avoir besoin de broche, c'est juste que je veux m'assurer de ça. Tu sais, moi c'est super important, là, la santé de ses dents, puis aussi comment elle se sent avec son rapport aux dents. Je sais pas si vous le savez, mais moi j'ai eu des broches, puis ça a changé ma vie. Fait que, tu sais, je veux que mes enfants soient confortables aussi avec leur sourire. C'est comme tellement... quelque chose d'important que c'est ça.
Bref, grosse histoire pour dire qu'on s'en va voir le dentiste, savoir qu'est-ce qui est possible de faire, c'est quoi qui est envisageable, c'est quoi les scénarios possibles aussi par rapport aux dents qui vont pousser, puis aux solutions qu'on pourra avoir si jamais ça pousse pas de la bonne façon. Puis il faut qu'ils remplissent aussi des papiers pour chacun des membres de la famille, comme quoi on n'a pas de carie, on est apte à être poussé. Fait que c'est genre tellement de paperasse, honnêtement, j'ai hâte que cette partie-là soit finie. Fait que c'est ça, je crois mardi, tout devrait être réglé par rapport aux démarches, là, savoir si on est apte ou pas à y aller. Fait qu'après ça, je sais comme pas. C'est comme plus entre nos mains, c'est hors de notre contrôle, là, qu'est-ce qui va se passer. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.